Salut à tous, c'est FireZ, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Medal of Honor, Bataille du Pacifique. Alors je vais faire une vidéo sur ce jeu parce que j'aime beaucoup Medal of Honor et je voulais changer un peu de jeu par rapport à World of Tanks pour varier un peu les plaisirs. Donc là aujourd'hui on va commencer une nouvelle série, donc dites-moi d'abord dans la vidéo, enfin dans les commentaires si la série vous plaît. Parce que moi j'aime beaucoup ce jeu et j'espère que ça va durer et que la série vous plaira. Alors, forcément, je n'arrête pas World of Tanks, c'est sûr que c'était juste que je voulais changer un peu de jeu, voilà. Alors, c'est parti, on commence notre débarquement hein, sur l'île de Tarawa. Donc, en fait, si vous voulez l'histoire, en fait, le début, c'est le jour J, vous voyez, c'est la fin, en fait, du jeu. Bon, je vous laisse regarder la cinématique. Alors, mettez le son un peu plus fort, parce que j'ai baissé le son du jeu à fond. Donc, mettez le son un peu plus fort, et dès que vous entendez ma voix, vous baissez le son. Voilà. Allez. Salut. Enfin, juste après, quoi. S'il continue, il n'y aura qu'un coup plus vite pour débarquer. Personnellement, ça ne me dérange pas. Moi non plus, il n'y aura plus un cap à 2 km à la ronde. Je ne compterais pas dessus si j'étais toi. Si vous avez envie de gerber les bleus, je vous conseille de le faire tout de suite. Les 3 semaines. C'est comme ça qu'on appelait la bleusaille. 3 semaines de classe, ça suffisait pas. Ils faisaient pas de vieux os la plupart du temps. Les classes ou les biscottos, ça a aucune importance en fait. Quand on fait le premier combat, ça vous change un homme. Tarawa, c'est jamais qu'un morceau de sable au milieu de nulle part. Mais pour pas mal de monde, ce sera le terminus. Tommy, on se retrouve sur la plage. Donc voilà, donc fin de la cinématique. Alors il y a différentes cinématiques que je vais passer, hein, parce qu'il y en a, elles sont pas importantes. Et donc ça rajoute un peu de temps, ça rajoute moins de temps à la vidéo. Donc voilà, donc mes vidéos vont durer entre 10 et 15 minutes, hein, j'avais oublié de préciser. Donc c'est parti, alors. Allez, on apprend, c'est parti. Donc là, on prend la mitrailleuse et ok, on perd déjà la vie, je comprends pas là. Ok, je crois qu'ils sont... Il y en a un qui est en face là. Oh là. Ok, allez, c'est bon, on allume, c'est parti. Donc là, c'est quand même de la 50 mm. Hein. C'est-à-dire que c'est plus gros qu'un canon T2-Lite. Oula. Oula. Ça chauffe un peu là. C'est plus gros qu'un canon T2-Lite, hein. Ça, c'est... Faut se le dire. Alors attends, il y en a un qui est là. Un Japs. Oh, il est pas mort. Il est pas mort. Ok. Allez, ça commence bien. On prend déjà un obus de mortier dans la gueule. Alors bon, moi je vais juste me faire celui qui est derrière parce que lui il est pas mort en fait. Voilà. Bon, ça c'est fait. Bon, alors on va se planquer. On va avancer, on va avancer. Alors déjà on va récupérer de la vie et des munitions. Là il y en a. Hop. Hop, voilà. Il est pas mort. Là il est mort. Ok, on recharge les gars. Hop, on va se mettre. Hop, et c'est parti. Allez, on recharge, c'est parti. Débarquement, donc voilà. Oula, oh la vache. Wow. Ils sont juste en face là. Voilà. Moi je tire un peu à la vedette comme ça. Ça fait un peu plus réaliste. Puis je trouve ça plus classe. Oula. Ok, on va se mettre derrière ça. Ok, allez, c'est parti, on avance. Oh, oh là là. Donc est-ce que vous avez entendu le cri du soldat là qui vient de mourir? C'est le cri de Willem. Donc c'est un cri qui a été utilisé lors de beaucoup de films. Hein. Très très connu, hein, comme dans Star Wars. Et ce cri est utilisé aussi dans des jeux vidéo. Alors, je voudrais savoir où ils sont. Bon, lui va pas me saouler. Voilà. Il est mort. je sais pas ce que ça fait si... Voilà. Ils progressent. Alors là, je crois qu'ils vont arriver, donc on va... On les attend nos pompes. Attends. Ok, là on va les attendre nos pompes parce que... Ok, je vais reprendre ma mitrailleuse là. Waouh. Voilà, on va se planquer. Et alors, j'ai appris une technique. Voilà, on peut se pencher. Ça, c'est cool, ça. C'est sympa, quand même. Allez, on va avancer. Donc là, aujourd'hui, on va mourir, hein, c'est normal.
c'est normal qu'on meure. Voilà, donc là c'est normal. Voilà, là on meurt. Alors j'ai pas mon chronomètre hein, pour chronométrer la vidéo, mais je sais à quel point faut s'arrêter un peu parce que ça fait quand même la 10e fois que je recommence. Donc voilà quoi. Donc bon, rien, tête de nœud, sale punaise, voilà le genre d'aimabilité qui me réservait mon bien-aimé instructeur pendant l'été 41. Avant, mon problème, c'était de livrer les épiceries en essayant de ne pas casser les œufs. Maintenant, dès que je tourne la tête, un foutu jap essaie de me plomber. Je me souviens avoir demandé à l'officier recruteur, c'est quoi votre problème, les gars? Je jure devant Dieu qu'il m'a répondu. Un problème? On est des marines, fiston. Nous, on donne l'exemple. Voilà. J'étais dans le train pour San Diego, c'est tout ce dont je m'en rappelle. Je rejoignais le camp d'entraînement. Voilà, donc là on va rejoindre le camp d'entraînement à San Diego, en Californie. Hop, San Diego, donc c'est en Californie, et c'était 2 ans plus tôt. Donc en 1941. Donc c'est le 3 septembre, ouais c'est ça, 3 septembre 1941. Donc voilà, donc centre de recrutement et d'entraînement des Marines. San Diego, Californie. Et on va s'arrêter, alors la vidéo va s'arrêter quand on devra aller faire du tir, voilà. Donc voilà, c'est la cinématique là que je vais passer. Donc voilà, on voit juste un peu le camp, comment il est. Donc voilà, on voit les soldats là qui s'entraînent. À côté de la Jeep, bah, c'est celui qui va venir nous chercher dans la maison, puis nous dire de nous réveiller et nous placer dehors. Donc voilà, c'est pas tellement intéressant, puis ça rajoute du temps à la vidéo, voilà. Allez, on va les juste laisser comme ça, c'est parti. Voilà. Allez, je vous laisse regarder la cinématique. Vous allez apprendre les rudiments de la survie au combat, bande d'affreux. Et alors, peut-être, je dis bien peut-être, que vous intégrerez le corps des Marines. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, sergent! Bon, le groupe Bravo, vous restez là et vous attendez que votre nounou réplique. Donc le groupe Bravo, c'est eux, hein. Ceux qui sont tout seuls. Et Loulou, parcours d'obstacles menu, et en pas de charge. Allez, allez! Je veux voir plancher personne, sinon ça va barder. On va lui montrer les gars, tous ensemble. Ah si, Franck, on y va? Jimmy, Tommy? Donc là c'est parti, on va aller au camp d'entraînement. Donc là le fusil qu'on a c'est un Springfield. Il passe par où lui en fait? On pourrait peut-être passer là-bas, hein. J'aimerais bien tester pour voir. Mais enfin, il va arriver plus rapidement que prévu, en fait. Je pense que c'est un spawn. Regardez, il va être là alors qu'il était là-bas il y a une seconde, quoi. Voilà. Allez, on se remet dans les rangées. C'est parti. Quand vous serez au combat, vous allez devoir passer au-dessus, en dessous. Ou à travers tout un tas d'obstacles. On va vous montrer sur ce parcours comment un marine doit s'y prendre. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez retourner fissa chez papa et maman. Vous appartenez au gouvernement. Alors faites comme je le dis et bouclez-la. Allez les gars, on peut faire mieux que ce groupe. Ça va le scier. Et c'est parti. Allez, on saute. Hop, hop, c'est parti. Allez, on se baisse. Je sais quoi, je me trompe là, c'est un peu chiant. En fait là ils sont en train de simuler en fait des mitrailleuses et nous on est en train de ramper. C'est un peu le type d'entraînement hein, des Marines. Mais pour un jeu qui sort en 2004 franchement je le trouve super super joli comme jeu. Hein. Allez on se relève. On monte l'échelle, allez c'est parti. Bon, moi là je vais sauter direct. Hop. Allez, bon, on va les attendre là, parce qu'il met un peu de temps quand même l'équipe là. Alors les gars. Ah, il y en a un, il est toujours en train de ramper. On va les attendre. Bon, on va passer. Allez, c'est parti. Rifle bash. Allez, on va défoncer les trucs. Hop. Wow. Voilà, bon bah moi c'est bon, j'ai tapé coup de crosse. Bon bah, attends, je vais refaire un. Hop. Il y en a, il va tomber, je crois. Il est sérieux, lui. Oh là 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 là. Sergent, excusez-moi. Ah oui, il a cassé le truc, lui.
Oh bah ah ouais, il bouge. Waouh. Oh. Qu'est-ce que vous regardez, Mauviette? Bon, moi j'ai fini. Hein. Vous étiez aussi fort que Minoso, je pourrais peut-être faire quelque chose de vous. Eh bah, c'est un miracle que vous soyez en un seul morceau. Bon, on va voir ce que vous savez faire avec l'autre bout de la pétoire. Grimpez dans le camion. Direction le pas de tir. Donc. Allez, faut que ça percute. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo pour l'épisode. Le prochain épisode, si vous voulez un autre prochain épisode, dites-moi dans les commentaires. Mais si vous en voulez un, ce sera au centre de tir. Et ensuite, on commencera l'attaque. Enfin, on commencera le début quand on se fera attaquer à Pearl Harbor, où je raconterai un peu d'histoire. Voilà. J'espère que cela vous aura plu. Likez, abonnez-vous et partagez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut. Ciao.